Yo tout le monde, c'est Swiss Moto Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau jouet développé par Ducati, la Hypermotard 698 Mono. L'objectif de Ducati avec cette moto, transmettre l'exaltation. Pour commencer, je tiens à remercier Ducati Genève qui m'ont permis de squatter un moment leur showroom pour faire le contenu que vous verrez dans cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations en commentaire. Mais parlons un petit peu de ce jouet pour motard. Simple, légère, agile, une moto fun avec un ADN de course. Voici les mots utilisés par Ducati pour décrire leur nouvelle création. L'Hypermotard 698 est équipé d'un tout nouveau moteur monocylindre à course courte de 659 cm3. Le Super Quattro Mono, un dérivé du Super Quattro de la Panigale 1299. Il hérite donc du caractère de course du Super Quattro ainsi que du système desmodromique qui lui permet de monter plus haut dans les tours et d'atteindre le rupteur à 10 250 tours minute. Le moteur développe 77 chevaux à 9 750 tours minute et 63 Nm de couple à 8000 tours minute. A savoir qu'on peut aller chercher quelques chevaux en plus avec l'échappement racing et donc atteindre les 85 chevaux. Ducati a fait attention à une chose, le poids. Elle est annoncée à 151 kg en ordre de marche, mais sans carburant. Très fort. Pour donner un exemple sur les petits détails qu'ils ont regardés, la moto est équipée à l'avant d'un monodisque de 330 mm avec un étrier Brembo M4.32, histoire d'avoir un très bon freinage et éviter de devoir mettre un double disque avec un double étrier pour gagner du poids. Malin, non? Le réservoir a une capacité de 12 litres, la hauteur de selle est de 904 mm qu'on peut rabaisser avec la selle basse à 889 mm, mais c'est en option. En termes d'électronique, il y a plusieurs modes de conduite. Un ABS en virage, le traction control, le wheelie control, le contrôle de frein moteur, un launch control, beaucoup de contrôle, et un quick shifter up and down. L'électronique a également été pensée pour apprendre en toute sécurité à glisser avec le roue arrière. Et surtout, pour les permis A2, il sera possible de l'avoir en 35 kW. Cette Ducati est disponible à partir de 13 290 francs, à savoir tout de même que le modèle visible dans cette vidéo est la version RVE, disponible elle à partir de 14 290. Comme vous l'aurez compris, cette moto est pensée pour être fun. Alors, ça vous tente? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je viens d'ouvrir un Tipeee, donc si vous voulez soutenir mon travail, vous trouverez le lien en commentaire. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide énormément. Et puis bien sûr ce, je vous dis ciao.